Bonjour, je présente dans la série des mortiers de PBO. Super mortier, très très sec. Le mortier sable, alors c'est le classique, c'est pas le basique, c'est le classique, mais il a vraiment un magnifique effet sable, je vais vous montrer tout de suite. Alors dans les mortiers, le mortier sable c'est grand classique, c'est le plus entre guillemets sobre, vous allez voir, mais il a un effet vraiment vraiment intéressant. Il est comme d'ailleurs tous ces mortiers, c'est un mortier, c'est-à-dire c'est pas un gel texturé. Il est sec, hein. Il est assez sec, voilà, j'en ai une belle dose, écoutez, on va voir le résultat. Il s'applique, il se sculpte, il faut le faire adhérer au support, hein. Voilà, vous travaillez au couteau majoritairement. Voilà, je pense que j'ai quand même été trop généreux. Voilà. Parce qu'en fait, l'intérêt, c'est surtout la texture qui va rendre. Vous pouvez travailler un peu la transparence, l'épaisseur bien sûr, hein. On va le garder. Voilà. Et vous pouvez travailler la transparence et faire apparaître le support dessous, bien sûr, à l'acrylique, hein, comme à l'acrylique uniquement. Et puis ici, voilà, travailler l'épaisseur, les reliefs, voilà, et puis un petit peu de dégradé ici pour avoir vraiment des effets sableux vraiment, vraiment intéressants. Ça se reprend souvent, hein. On n'arrive pas tout de suite au résultat, ça c'est normal, hein, avec les mortiers et les gels. Il faut retravailler pour obtenir la forme qu'on veut. Voilà, moi, quand je suis sur une démo, je n'ai pas du tout d'objectif artistique, mais voilà. Voilà, reste à attendre le résultat. Le mortier sable, a donc une fois sec, laisse cet aspect sableux. Encore une fois, très fidèle à tout ce qu'on a pu faire. Tout a bien tenu. Il n'y a plus qu'à l'intégrer maintenant dans une œuvre. C'est excellent. Voilà, moi j'adore, hein. J'espère que les gros plans vont donner envie autant qu'à moi de l'utiliser, de le tester au moins. Vous le trouvez bien sûr sur notre boutique en ligne et on se retrouve bientôt pour tester tous les autres gels, tous les autres mortiers, tous les autres jets de texture.